Good morning, Aleiden. L'étude sera aujourd'hui le Nishmat Amram Yonah ben Chana Pigbet Esther Nissim ben Ahuda ainsi que l'Irfuat Efrat Mayan bat Lea Tehila Tzipora bat Talia Sarah bat Chana Rachel Betoch Shar Chole Israël. Si vous souhaitez, vous aussi de dire une prochaine étude de Mishnah. Peut-être que c'est une étude éternelle. Nous avons certes vos désirs après Gimel Mishnah Tet. Natale mena etzim asurim ba'ana isik ba'en atatanur im chadash yutatz. ואם ישן יוצן, אף אבו את הפת, אסורה בענה. נתערבה ואחרות, כולן אסורות בענה. רבי אליעזר אומר, יולי חנה לים המלח. אמרו לו, אין פה דין, אין פדיון לעבודה זרה. נתן למנה קרקר, אסור בענה. הרג בו את הבגד, הבגד אסור בענה. נתערב באחרים, ואחרים באחרים. כולם אסורים בענה. רבי אליעזר אומר, יולי חנה לים המלח. אמרו לו, אין פדיון לעבודה זרה. On continue à parler de la Asherah, le fameux arbre que l'on a planté pour abriter une avodah zara, qui a donc un interdit d'en tirer profit. On n'a pas le droit d'en profiter, il faut le brûler, comme le passage nous dit, Va'asherehem tisrefun ba'esh, avec donc un interdit d'en tirer profit. De ce fait, la Mishnah nous enseigne, Natal mimena etzim, s'il y avait un etz Asherah, un arbre de Asherah, il est parti, il a coupé une branche, il a envie d'utiliser pour se réchauffer. Alors, donc Natal Mimena Etzim, s'il a coupé d'elle, de cet arbre, des bois, Asurim Bahana, ils seront interdits d'en tirer profit. Clair pour le moment. Et donc la Mishnah continue en nous disant, Isik Bahenatatanur, s'il a utilisé ces arbres pour réchauffer un fourneau, les Hasik, Milachon Hasaka, un chauffage, ça dit une hasaka en hébreu moderne, ça vient de la lehasik, chauffer, hesek gadol. Donc, isik ba'en et tanour, il a réchauffé un tanour, un fourneau. Im chadash yutat, si c'était un nouveau tanour, c'est la première fois qu'on l'allumait, alors yutat, il faudra le briser, le détruire. Ve im yashan, et si c'était un vieux tanour, un vieux fourneau, alors yutsan, il faudra le refroidir, et on explique de quoi on parle. On va commencer d'abord avec le cas le deuxième cas, de Yashan Yutsan. Si c'est un vieux tanour, il faudra uniquement le refroidir. De quoi on parle exactement? On est en train d'apprendre dans notre Mishnah que l'on n'a pas le droit d'utiliser les bois de la Asherah, de l'arbre qui a été planté pour abriter la Avodah Zara. De ce fait, si toutefois tu l'utilises pour chauffer un fourneau, il faut savoir que tu n'as pas le droit de profiter maintenant de toute cette chaleur. De quelle manière tu pourras recommencer à en profiter? Il faudrait laisser le tanour refroidir complètement. Donc, tout le bénéfice qu'a apporté la Avodah Zara s'est annulé. Il n'y a plus d'intérêt. Il n'y a plus de reste. Et dans ce cas-là, ensuite, on aura le droit de réutiliser le fourneau. Ça, c'était pour le Veimi Yashan Yutsan. Si c'était un vieux fourneau, il faudra le Yutsan Melachon Tzina. Tzina Vesukhara Vito. Akol Bideshamim Chutzmi Tzinim Pachim. Tzina, le froid. Yutsan, on le fait refroidir. Maintenant, on revient maintenant sur le cas précédent. Si c'était un nouveau tanour, il faudra briser le tanour, le fourneau. À l'époque, les fourneaux, ils étaient en terre, en argile, en ciment, des matériaux assez préhistoriques, quoi. Et il y avait maintenant, lorsqu'on fabriquait un fourneau, pour la première fois qu'on l'allumait, il fallait mettre dedans une bonne quantité de bois, que ça chauffe très bien, de manière à ce que ça allait renforcer les derniers terre et ciment qui n'étaient pas assez séchés et bien figés les pierres du fourneau, qu'il allait maintenant bien se fixer et devenir plus costaud. D'accord? Il fallait, donc c'était lorsqu'on l'allumait la première fois. La Mishnah maintenant vient nous enseigner. Ben, sache que si tu as fait la première fois que tu as allumé le fourneau, tu l'as allumé avec des bois de la Asherah, puisque tu n'avais pas le droit d'en tirer profit, donc ton fourneau, il va être interdit d'en tirer profit lui aussi, puisqu'elle a été un produit de la Avodah Zara. D'accord? C'est ce que ça veut dire. Isik ba'en et tatano, s'il a réchauffé avec ces bois-là le fourneau, im chadash, si c'était un nouveau tanour, alors yutat, il faudra le briser, étant donné que c'est un produit de la Avodah Zara. On apporte une précision super importante, rapportée dans le Barthénora, une notion qu'on a évoquée déjà quelques fois, deux, trois fois déjà dans la mission précédente, on l'a réévoquée. La notion de Zevazé Gorem Moutar. Il y a une discussion sur ça. Lorsque deux facteurs ensemble, deux produits s'associent pour
de produire un produit en coopération. Est-ce que le produit qui va ensuite naître sera un frein? Alors maintenant, si un des deux facteurs qui était interdit dans un profit, tandis que l'autre, il était permis, ça peut être, on va prendre un cas, d'un mâle et d'une femelle, une vache et un taureau. Un qui était un taureau interdit d'en tirer profit. Il s'est accouplé avec une vache et ils ont eu un veau. Est-ce que ce veau, il est permis à en tirer profit? C'est une discussion qu'on a déjà évoquée, ça s'appelle le zevazegorem. Deux facteurs ensemble qui s'associent pour faire naître quelque chose, un produit. Lorsque l'un des deux était interdit à en tirer profit, est-ce que le produit s'appelle que c'est un produit interdit? Ou bien non, étant donné qu'il a eu un shutaf qui était permis, il a eu un associé qui était permis, alors de ce fait, le produit sera permis a posteriori. Et pour la halakha, on retient l'avis de Rabbi aussi qui nous dit que zevazegorem moutar, c'est permis, mais que a posteriori, pas a priori. On revient maintenant sur notre Mishnah. On parle d'un fourneau qu'on a réchauffé pour la première fois. C'est-à-dire que maintenant, le fourneau, il s'est renforcé. Grâce à lui, la prochaine fois, lorsqu'on va mettre dedans du pain, le pain, il va bien cuire. Mais en réalité, donc, le pain qui va cuire, il va cuire grâce à la Avodah Zarah. C'est vrai, mais pas que. Il va cuire grâce à la Avodah Zarah et au fourneau. Les deux ensemble, ils s'associent pour fabriquer un pain. Là, on a un problème. Dans notre Mishnah, il nous dit de détruire le fourneau. Or, il n'y a pas lieu d'être aussi strict. Étant donné que lorsqu'on va faire cuire le pain finalement, eh ben, le pain ne va pas profiter que de la Avodah Zarah. Il va profiter de la Avodah Zarah et des pierres et du ciment naturel qui était là dans le fourneau. Pourquoi dans ce cas-là, la Mishnah nous l'interdit? Et effectivement, si vous regardez dans le Bar Tanoura, on ne va pas lire et traduire, mais en tout cas, le Bar Tanoura, il nous explique tout ce qu'on a dit à l'oral en continuant. Allez, je le fais quand même. Shemasikin, Atanur, ou Mechaziko. Le premier réchauffement du fourneau, il le renforce. Et le rend robuste, et donc il a été fabriqué à cause de, par l'intermédiaire de Issur et Anaa. C'est la phrase qui m'intéresse. Cette phrase-là, cette Mishnah-là, elle va selon l'avis qui pense que Zevazegorem, Assur, lorsque les deux facteurs s'associent, si l'un des deux il était interdit d'en tirer profit, alors le produit sera aussi défendu. C'est pour ça que la Mishnah nous interdit. Tandis que nous, quoi, on tient quoi? Ve'en halakha, ça n'est pas établi comme halakha, parce que, on continue à l'oral, la halakha nous tient que zevazegorem moutar, lorsque les deux facteurs s'associent, c'est permis. C'est permis, mais que a posteriori. De ce fait, la Mishnah, donc maintenant, on continue et on récapitule pour la halakha. Si on retient la halakha d'ici, en fait, en disant comme ça, que le tanour, que le fourneau soit nouveau ou ancien, a priori, tu ne le réchauffes pas. A posteriori, eh ben, tu devras juste laisser refroidir le fourneau et ensuite le réchauffer. Et même s'il était un nouveau, si c'était un nouveau tourneau, le fourneau, a posteriori, ce sera permis, étant donné que c'est une grande perte de le détruire, de t'imposer de le recommencer. Dans ce cas-là, on est en situation déjà de a posteriori. Ok? On avance maintenant à la suite de la Mishnah. À partir de maintenant, on va voir le même principe qui va se répéter deux fois de deux manières. Une discussion entre Rabbi Eliezer et Chachamim sur le produit de du bois de Avodah Zarah. Avec deux situations. Premièrement, Afabo et Apat, s'il a fait cuire par l'intermédiaire de ces bois-là du pain, c'est-à-dire dans son fourneau, il a fait entrer dedans des bûches de bois de la Hachera, qu'il a allumé, ça a fabriqué de la chaleur, et donc ça a fait cuire le pain. Et bien, la Mishnah nous enseigne que Asura Be'ana'a. Pâte, ce n'est pas une pâte, c'est un pain. D'accord? C'est la même chose, c'est la même origine, c'est le même principe, sauf qu'en français, on a attrapé l'état de pâte quand c'est enfin, encore pâteux, tandis que dans la Mishnah, on parle, dans la Torah, on parle d'un pain. Un pâte, c'est un vrai pain, une fois qu'il est déjà cuit. En tout cas, Afa boit à pâte, s'il a fait cuire dedans un pain, alors Asura Ba'ana, ce pain-là sera interdit d'en tirer profit. Donc, j'avais les bois de Avodah Zarah. On les a, par erreur, on les a réchauffés. On les a fait cuire, on les a allumés. Et j'ai mis dedans ma pâte en français, ouais. Ma pâte en face pour ma challah, quoi. Je l'ai mise à la cuisse grâce à ces bois. Et ben, on va considérer que mon pain est un produit direct de la Avodah Zarah, étant donné que Yesh, Shvach et Tzim, ma pâte. C'est une notion importante dans la Gemara, que la toélette, l'apport, le bénéfice des bois se retrouve dans le pain, puisqu'on convertit directement. Entre parenthèses, avec une différence, c'est que si je réchauffe et qu'après il n'y a plus de bois, qu'après je fais entrer mon pain il sera permis a posteriori. Tout l'interdit est uniquement lorsque l'un se convertit pour transformer l'autre. Le bois il chauffe pour fabriquer ce pain. D'accord? Maintenant, une fois qu'on a. La Mishnah continue en nous enseignant maintenant. Sache que si ce pain que tu as fait cuire avec des bois de Avodah Zarah
Donc il était interdit d'en tirer profit. Ce qui s'est passé, c'est que Nitarva Bacherot, elle s'est mélangée avec d'autres pains. Maintenant, ça va toucher un petit peu aux lois connues du Bitoul, mais pas exactement. En tout cas, la Mishnah, cette fois-ci pour la Avodah Zara spécialement, la Mishnah enseigne Kulan Asurot Bana, toutes seront défendues à en tirer profit. Soit, on a fait cuire un pain avec des bois de Avodah Zara. Une fois qu'on l'a fait cuire, on l'a ressorti, on l'a mélangé à toute une autre table remplie de pain. Et après, quelqu'un nous a dit quoi ? Vous avez mis ces bois-là dans le tanour ? C'était des bois de Avodah Zara. Donc on nous dit on a un problème. Maintenant, on a la Avodah Zara qui est mélangée. Le pain qui a été cuit à cause de la, par l'intermédiaire de la Avodah Zara, il est mélangé dans d'autres pains, on ne sait plus le reconnaître. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on a le droit de manger les pains, d'en tirer profit ? Il n'est pas question de les manger. La seule question de la Mishnah est de savoir est-ce que j'ai quand même le droit d'en tirer profit ? Et bien, Tanakhama nous enseigne Kulan Asurot Bana. Tous les pains seront interdits d'en tirer profit. Deux raisons évoquées, soit parce que la Avodah Zara c'est tellement grave que ça ne s'annule pas par la voix de la majorité, en théorie on aurait dû permettre 1 contre 2, c'est Tarovet Yavesh Beyavesh, dans du sec, deux objets distincts, 1 contre 2, ça suffit pour permettre, c'est pas, il n'y a plus besoin de Bitul Bishishim, il y a des règles, comment ça, en tout cas ici en l'occurrence. Maintenant, ça c'est donc c'est un premier avis qui nous dit que quelque chose, dans la Avodah Zara on est très mafmir. Un autre avis qui fait une différence, que si c'est des choses importantes, des parts importantes qui se mélangent, alors les parts importantes ne peuvent plus s'annuler, et un pain c'est quelque chose de très khashuv, de ce fait ça ne peut pas s'annuler par la voix de la majorité. Ça c'est l'avis de Tanakhama, donc on récupère, si on avait une table pleine de 50 pains, 100 pains même, et qu'il y a eu un pain qui a été cuit à cause de la Avodah Zara qui s'est mélangé dedans, et ben, Kulan Asurot Bana, interdit d'en tirer profit. Ça signifie qu'on ne pourra même pas les vendre à un goy. Imaginez que j'avais 99 pains. J'avais 100 pains. Il y a eu ce pain de 8 jours qui s'est mangé, je ne sais plus le reconnaître. En théorie, on aurait pu croire que quoi ? Je vais aller voir un goy, je vais lui vendre 101 pains, mais pas en tant que 101 pains, en tant que 100 pains, au prix de 100 pains. Et comme ça, je ne vais pas tirer profit, moi, de la Avodah Zara. Et bien même ça, c'est assourd. D'accord ? Parce que finalement, je tire profit, même indirect, je tire quand même un profit de la Avodah Zara, puisque le goy va être intéressé à acheter toute ma table, parce qu'il y a dedans de la Avodah Zara. Ouais, puisqu'il va avoir 101 pains au lieu de 200, donc il a gagné au change. Donc c'est interdit complètement à en tirer profit, il n'y a plus rien à faire. D'accord ? Ça c'était Nitarva Bacherot, donc Kulan Asurot Bana. Sur ça, il y a une discussion en réalité. Rabbi Eliezer Omer, Yoli Chana, le Yam HaMelach. Rabbi Eliezer nous enseigne qu'il pourra amener le profit à Yam HaMelach, à la mer morte. Soit, plus précisément, on avait parlé de 100 pains et un pain d'interdit qui s'est mélangé. Eh bien, Rabbi Eliezer nous dit « Non, pourquoi tu vas prendre tous ces 101 pains et aller le jeter ?» Tu sais ce que tu fais ? Combien coûte un pain ? 10 shekels ? Ouais, en réalité, c'est même pas... C'est un peu faux ce que je dis, mais je préfère d'abord donner l'idée. Eh bien, tu prends 10 shekels, tu dis « Là où se trouve le pain de Avodah Zara, eh bien maintenant, la Touma de l'Avodah Zara, elle va être transférée ici. » Et c'est... Ouais, même sans transférer, franchement, quoi. Et je vais prendre ces 10 shekels et je vais les amener... Aïe, ma mélard, je vais les jeter dans la mer morte, et comme ça, je vais pouvoir permettre les 101 pains. C'est-à-dire, Rabbi Eliezer fonctionne. On va y aller à plusieurs niveaux, mais on va commencer d'abord dans l'ordre. Rabbi Eliezer, tout d'abord, il vient nous enseigner en nous disant, ben, sache que, quel est le problème ici ? Il faut bien faire le point dans la situation. Le pain qu'on a, c'est pas de la matière assoura, c'est de la matière permise. Le seul problème, il est que tu as obtenu ce pain hein, en gagnant sur le compte de la Avodah Zara. La Avodah Zara, la Shera, elle a brûlé. Et par la chaleur qu'elle a produite, tu as fabriqué ton pain. Eh bien, tu réussiras à rééquilibrer l'équilibre et annuler le profit que tu as lorsque tu vas prendre 10 shekels, tu vas aller les jeter à la mer. Et dans ce cas-là, tu nous auras bien prouvé que finalement, tu n'as aucun profit de la Avodah Zara. C'est l'avis de Rabbi Eliezer. Maintenant, précision super importante, c'est apporté dans le partenariat. Il y a en réalité une discussion sur la question. Mais si vous faites attention, on a eu deux cas. Il y a eu le pain qui a cuit à cause de la Avodah Zara, directement, qui interdit en tirer profit. Et à part ça, il y a eu ce pain-là qui s'est mélangé avec d'autres. Et Rabbi Eliezer nous dit, c'est permis d'amener le profit à la mer. Il fallait jeter le profit à la mer. On parle de quelle situation ? Du cas où le pain il s'est mélangé à d'autres pains, ou même de la Reija. Il y a même du cas précédent, où il y avait même un seul pain qui était cuit avec les arbres, avec les bois interdits. Et bien sur ça, le partenaire, si vous faites attention, il nous dit, « Yoli chanalei amamelach de mekikar shenit arev » Le pain qui s'est mélangé, il se rapporte que sur la deuxième partie de la Mishnah. Soit, je récapitule maintenant d'après Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer va nous dire, ben c'est simple. Si tu fais cuire ton pain avec les bois de Avodah Zara, le pain, tu n'as plus rien à faire, tu vas le jeter à la mer, même pas, tu le détruis.
Si toutefois, ce pain-là, par erreur, est allâché des mains, il s'est mélangé avec d'autres pains. Bon ben, alors il s'est mélangé avec d'autres pains, cette fois-ci, tu auras le droit d'en tirer profit, mais à condition que tu prends sa valeur. Alors, c'est plus la peine de faire le transfert de Touma, comme ce que je disais tout à l'heure, c'était un petit peu histoire d'imager, mais c'est pas vrai. Tu prends 10 shekels, tu vas et tu dis, écoute, je la jette à la mer. Donc maintenant, en contrepartie de l'interdit qui s'est mélangé chez moi, de ce fait, tu as réussi à supprimer le bénéfice que tu as eu de la Avodah Zara, de l'apport, le profit que tu as eu de la Avodah Zara. C'était d'avoir économisé 10 shekels pour faire que le pain, mais tu les as payés. Étant donné que la matière elle-même, c'est une matière permise, alors ça suffit de faire ce pidyon. C'est clair? Ça, c'est que quand ça s'est mélangé. Et puis, on a la Mishnah qui continue en nous disant Amru lo. Ah, je vais juste préciser encore un autre détail. Lorsque je dois faire le rachat, je ne dois pas faire le rachat du pain lui-même. Je dois faire le rachat des bois qui ont été utilisés pour faire cuire le pain. Ça amoindrit encore plus, d'accord? Amru lo, Chachamim lo retorqué Rabbi Eliezer, non. D'aucune manière, on ne te permet pas de faire une chose pareille. Deux. Partir jeter la contre-valeur à la mer, je ne te permets pas de le faire, parce que en pidyon avodah zara, ça n'existe pas de faire un rachat de avodah zara, racheter la kdusha, la sainteté, ou bien la pureté même, de l'avodah zara, ça n'existe pas chez l'avodah zara, ça n'existe que chez les juifs, bien sûr, comme on a déjà évoqué plusieurs fois, qu'on peut transférer la kdusha sur des pièces. Mais dans la touma, ça n'existe pas, donc de ce fait, tu ne pourras pas le faire. D'accord ? Maintenant, on continue. Deuxième partie de la Mishnah. Dernière partie de la Mishnah, c'est exactement le même principe, sauf qu'on change de contexte. Natal emena karkar. Il a pris un bois de la Avodah Zara, une branche. Il l'a taillé pour en faire un karkar. Un karkar, c'est lorsqu'on tisse le tissu pour pouvoir aplanir les fils et des fois couper des petits fils qui dépassent, qui sont mal enchaînés dans la trame, dans la chaîne. Alors, il y a un bâton spécial qui s'appelle le karkar. Un bâton bien net, lisse, avec lequel on frappe et ça permet au tissu qui est en travail, en fabrication, de mieux se figer, de mieux se fabriquer. D'accord? Alors, donc il a fait un bois avec ça. Et la Mishnah nous enseigne, à Sourbana, tu n'auras pas le droit de tirer un profit de ce bois. Tu devras le brûler. Tu seras imposé de le brûler. Et à Ragbo et à Beged, si toutefois il n'a pas brûlé, il a gardé chez lui, et puis à cause de ça, il a fabriqué un tissu. La Mishnah nous enseigne de manière formelle à Beged à Sourbana. On n'aura plus le droit de tirer un profit de ce Beged, étant donné qu'il a été fabriqué grâce à la Vodaza. Ce qui se passe, c'est que la Mishnah continue en nous disant Nitarev, Vachirim, Vachirim, Vachirim. Regardez comment c'est exactement la même chose. Il s'est mélangé dans d'autres vêtements. Il avait fabriqué une chemise avec ce bois de la Vodazara. Donc la chemise, il faut la détruire. Ce qui se passe, c'est qu'après, on a manqué d'attention, on n'a pas fait attention. Elle s'est mélangée avec toutes les autres chemises, avec 50 autres chemises, 100 autres chemises. D'accord? La Mishnah nous enseigne, il n'y a pas d'autre choix. Nitarev Bachrim, elle s'est mélangée dans d'autres. Et d'autres dans d'autres, on va expliquer c'est quoi ensuite. Kolan Asurot, tout Asurot, Asurin Vana, toutes les chemises seront interdites à en tirer profit, étant donné que la Avodah Zara ne s'annule pas, même Bérov, même avec la majorité, ça ne s'annule pas. Précision, sur le Achirim Bachirim, d'abord c'est discuté, est-ce qu'il faut le lire ou non? Il y a une discussion entre les Shonim. Ceux qui disent qu'il faut le lire, alors la Mishnah nous enseigne comme ça. Si tu as fabriqué une chemise avec des bois de Avodah Zara pour bien aplanir le tissu, même un seul bois, donc là maintenant, tu as transgressé le Issour, il faut détruire la chemise. Cette chemise-là s'est mélangée dans d'autres chemises, et de toute cette nouvelle pile de chemises, il y a eu une chemise qui est sortie qui s'est mélangée dans une autre pile de chemises. On aurait pu croire que là, cette fois-ci, c'est un vrai Sfex Feka. Ouais, on est vraiment trop loin de l'interdit de la Torah. Et bien la Mishnah nous enseigne que non. Justement, Tanakama nous dit, tous seront défendus. Ok? Kola Nasurim Bana, tous seront interdits à en tirer profit. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer nous enseigne, non, ce n'est pas la peine. Dès qu'elles vont se mélanger même la première fois, alors Yolir Hana'al Yamamelach, tu devras prendre le profit, la contre-valeur, non pas de la chemise elle-même, mais du bâton avec lequel tu as pu aplanir ton tissu. Et sa contre-valeur, tu vas la porter au Yam HaMelach, à la mer, mais à la mer morte, ou à la mer complètement, de manière à ce que le profit, le gain que tu as pu avoir de la Avodah Zara, eh ben, contre ce gain, tu as donné une vraie perte, donc de ce fait, tu es revenu ex aequo, il n'y a plus lieu de t'interdire, étant donné que le produit lui-même, c'est un produit cachère. D'accord? Le produit, le tissu qui a été fabriqué, ou le pain qui a été fabriqué, c'est le même principe. Ça, c'est d'après Rabbi Eliezer, Amrolo, ils ont rétorqué Rabbi Eliezer en lui disant non, en pidyon la Avodah Zara. On ne peut pas racheter la Avodah Zara. Il faut savoir que faire un rachat, transférer la Gdusha ou la Touma de la
de la Vodazara sur des pièces, ça n'existe pas. Il faut nécessairement la détruire, détruire le produit. Et ben, c'est tout pour aujourd'hui. Je souhaite une journée pleine de Hatzlacha comme tout ça.